Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 171e épisode. Aujourd'hui, nouvelle vidéo consacrée à la méthode Google de Jeff Jarvis. Toujours dans la seconde partie du bouquin dans laquelle il essaye d'appliquer les différentes lois de Google sur d'autres secteurs que le web pour voir ce que ça donnerait et comment est-ce qu'on peut tirer profit de ces différentes lois pour tout type d'entreprise. Et donc aujourd'hui le nouveau chapitre il est consacré à la publicité avec une seule sous-partie intitulée « Et maintenant une page de publicité ». Donc je vais vous le dire directement, j'étais étonné et déçu par ce chapitre parce que justement il ne prend pas d'exemple précis ou d'entreprise précise, contrairement à ce qu'il avait fait au premier chapitre dans lequel il prenait l'exemple de Google Wood, d'un éditeur de livres, etc. Là, il ne prend pas d'exemple d'une agence de pub ou d'une entreprise précise qui souhaiterait faire de la publicité. En gros, il reprend simplement ce qu'il avait dit dans les parties précédentes, dans les chapitres précédents sur la publicité. Il fait une sorte de grosse synthèse de 12 pages. Donc moi je vais vous présenter tout ça sur une slide, mais c'est un petit peu répétitif si vous avez déjà regardé les dernières vidéos. En gros c'est un petit résumé sur les nouvelles pratiques de la publicité et ce qui va se passer dans les années à venir. Donc dans les années à venir, lui dit que les publicités de grand public, donc ce qu'on va retrouver par exemple à la télévision, à la radio, dans les journaux, ça va petit à petit disparaître puisque avec le web on a des publicités beaucoup plus précises, beaucoup plus ciblé et surtout avec des statistiques vraiment très évoluées qui vont nous permettre de savoir exactement quel type de personne a cliqué sur quelle publicité, quel format, etc. Donc beaucoup mieux et puis beaucoup plus abordable surtout pour tout type d'entreprise. Donc pour lui, les agences de publicité vont disparaître et il faut surtout se concentrer sur la qualité et les relations clients et non pas sur cette publicité grand public. Donc la qualité et les relations clients, puisque les clients sont notre meilleure publicité, un client satisfait va le faire savoir autour de lui. Et puis surtout aujourd'hui avec le web c'est vraiment très facile de trouver des avis de clients sur internet. On regarde pour un bouquin sur Amazon ce qu'on dit d'autres personnes, il y a plein de sites comme ça, des sites vraiment dédiés sur les avis de produits. Donc ça va être très facile d'avoir accès à ces avis là et donc c'est pour ça que c'est super important. Alors donc ne pas lancer de campagne de pub. La petite exception, c'est à part si on veut transmettre une information importante ou même cruciale au client. Donc ça, c'est par exemple un changement complet d'un produit pour lequel on aurait des difficultés à le faire savoir à nos clients. Donc c'est un des seuls cas, selon lui, pour lequel on pourrait lancer une campagne de publicité. Mais en gros, bah, sinon, on abandonne tout ça et on essaye de réduire le budget publicité à zéro et essayer plutôt de consacrer ce budget-là au service client et au service après-vente. Alors, pour renforcer ces relations directes avec les clients, donc une solution, c'est d'inciter les employés à établir des relations directes avec les clients, donc par exemple via des blogs. Il dit que c'est bien d'inciter les employés à créer leur propre blog sur lequel ils parleraient avec leur ton personnel. Ils pourraient parler de leurs sentiments dans l'entreprise et puis comme ça ils pourraient avoir un lien beaucoup plus personnel avec les clients, et avoir un lien beaucoup plus personnel et beaucoup plus direct, c'est beaucoup mieux pour pouvoir remonter les avis des clients, savoir exactement quels sont les défauts des produits, comment améliorer tout ça, etc. Et également une deuxième suggestion, c'est de créer des partenariats avec des blogs reconnus. Donc là on n'est pas du tout dans le cas d'une publicité non ciblée pour un grand nombre de personnes. C'est vraiment des blogs reconnus sur un thème précis, donc pour lesquels on va créer un partenariat, donc pas juste de la publicité mais bien un partenariat
Et là, l'idée, c'est le sentiment d'appartenance que peuvent avoir les lecteurs de ce blog. Donc, s'ils viennent pour lire les informations de ce blog, c'est forcément que le sujet leur plaît, que le contenu est intéressant. Et en gros, si ils voient une entreprise partenaire, ils vont s'approprier en quelque sorte l'entreprise. Ils vont avoir comme ça un sentiment positif envers cette entreprise, et c'est tout à fait ça qu'il faut déclencher. Et également, ça va favoriser les discussions et les partages sur notre entreprise, notre produit, et c'est tout bénéfique. Et ensuite, bah, pour résumer, j'ai repris une citation. Votre publicité, c'est vos produits, vos clients et vos employés. Donc bien sûr nos produits, parce que il faut absolument que les produits soient bons. Et pour ça, bah, on peut récolter les avis des clients pour améliorer nos produits. Et ensuite vos employés. Donc c'est l'ensemble produits et employés, et la manière dont les employés vont traiter ces échanges avec les clients, qui vont faire en sorte que les clients vont être satisfaits ou non. Et un client satisfait qui le fait savoir autour de lui, bah, c'est la meilleure publicité possible qu'on puisse avoir. Donc c'est un petit peu ça l'idée de toute cette partie-là. C'est ce que j'ai repris dans cette slide. Mais comme je vous disais, bah, c'est un petit peu une répétition par rapport à ce que l'auteur avait écrit un petit peu plus tôt dans le bouquin. Mais il en reste que ça, c'est vraiment très intéressant, et puis ça permet de donner une vision de ce que va être la publicité à l'avenir avec ce renforcement des discussions et des dialogues publicitaires. Donc bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, mais d'ici là n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, une remarque, une suggestion, et puis je lirai tout ça avec beaucoup de plaisir et puis beaucoup d'attention. Donc salut!